Coucou les abonnés, bienvenue sur la chaîne Titi et Sissi. Avant toute chose, si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Titi et Sissi, sur Instagram, Cynthia Sissi, sur Facebook, Snapchat, TikTok, enfin bref, tous les réseaux sociaux. N'hésite pas à nous suivre, ça nous fait super plaisir, ça nous encourage, ça nous motive aussi à faire d'autres vidéos. Plus vous êtes nombreux, plus nous, ça nous donne la force. Donc c'est top, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo différente. Franchement, je suis au bout de ma vie, en toute transparence. J'ai commencé à tourner la vidéo sur mon téléphone. Au final, le son, je sais pas, ça bug. Genre, les 30 premières secondes, à chaque fois que je commence à tourner, il n'y a pas de son. Le son ne veut pas passer. Donc, relou, c'est vraiment chiant. Ensuite, je me suis dit, vas-y, prends ton appareil photo. Donc, je prends l'appareil photo, je commence à tourner la vidéo. Et là, je me rends compte que ça me dit, donc pas de batterie. Ensuite, la carte mémoire n'est pas détectée. Enfin bref, une galère. Donc là, j'étais obligée de prendre mon Osmo Pocket pour faire la vidéo. Donc la qualité, je sais pas trop ce que ça a donné. Mais bon, on verra tout à l'heure. Donc c'est parti pour cette vidéo coiffure. La perruque et des accessoires pour accrocher à la perruque. Donc le packaging, franchement, c'est trop mignon dans la petite pochette. Alors, que je vous montre. Donc, elle est dans ce sachet. Alors, je suis un peu stressée et en même temps, je suis toute excitée. Je vais dire pourquoi. Parce que, en fait, j'ai jamais porté de perruque. Donc là j'avais fait les passion twists pour rappeler, je les ai retirés, donc ça c'était les notes que j'avais sous mes passion twists. Donc là je vais les défaire, je vais faire mon shampoing et je vais refaire les tresses demain. Et demain donc j'ai rendez-vous chez la coiffeuse au salon, donc comme je vous ai déjà dit le salon c'est Me Woman. Je vais me coiffer et donc c'est Roxane qui doit me coiffer demain. Donc la perruque, je vais essayer de la déballer pour vous montrer un peu ce que c'est. Donc il y a un filet, hop là. Alors c'est une perruque noire et elle est longue, très longue. Je vous montre à l'intérieur. Donc on a des petites barrettes pour faire tenir. Et là on a aussi ça, je pense que ça va être pour régler la taille. Voilà. Donc je sais, franchement, je vais tenter de la poser, mais je suis vraiment pas experte dans les perruques. Donc, ce que je vais faire, c'est que demain, je vais laisser Roxane me faire ça correctement. Regardez la longueur. Non, mais c'est dingue. Non, mais attends, juste par curiosité, je vais quand même essayer de la mettre. Je sais pas trop, c'est comme ça qu'on fait, donc ne m'en voulez pas. C'est vraiment la première fois que je mets une perruque. Donc, je sais pas si c'est comme ça qu'on fait ou pas, si on par devant ou par derrière, juste pour avoir une petite idée de ce que ça pourrait donner. Je crois que c'est comme ça, enfin je pense. Attendez. Je crois qu'il faut la ranger derrière. Je tente. Mais demain, de toute façon, je vais essayer de filmer quand Roxane va me la pousser. Regardez la longueur. C'est dingue. Après, je pensais qu'il allait avoir plus de volume. Voilà, regardez la longueur un peu. J'espère que vous arrivez bien à voir. Je pensais qu'il y aurait plus de volume, qu'elles auraient été un peu plus épaisses. Mais en fait, je me dis, vu que c'est long, c'est hyper gênant déjà. Donc bon. Et déjà, première impression, c'est très long. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Je sais pas, on va voir. Demain, je pense que la coiffeuse va faire des miracles. Et je vais essayer de vous filmer tout ça pour vous montrer comment on fait. Mais il va falloir que je m'habitue quand même à avoir des aussi longs cheveux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous choque? Franchement, moi, j'ai pas l'habitude, mais vous, est-ce que ça vous choque ou est-ce que non, ça passe? Regardez, je vais me rapprocher, comme ça vous permettra de voir un petit peu. Regardez comment c'est. Vous voyez? Hop là, même au niveau de la qualité, comme ça, je me rapproche et vous voyez bien la couleur. C'est pas encore coupé, mais demain, je reviens avec, hop là, ma nouvelle coiffure. Salut, donc là je vais aller chez la coiffeuse, mais je suis fatiguée, chaos, ça doit se voir à ma tête, même si elle masque, heureusement. Cette nuit, j'ai fait mon shampoing, je me suis décoiffée, je me suis recoiffée, je me suis couchée à 4h30 du matin, mais avant, vous voyez mes notes, mais avant ça, je sais pas, j'ai eu envie de me maquiller, de faire des photos pour mettre sur Insta.
je suis du père, donc là je suis KO. Voilà, donc vous avez pu voir au salon comment Roxane, donc elle a fait ménage collé en dessous, ensuite elle m'a mis un bonnet que le fournisseur m'avait passé, et ensuite elle a coupé, vous avez vu, elle a coupé tout autour la perruque, et donc là je l'ai sur ma tête. C'est Roxane qui m'a coiffée aujourd'hui, donc c'est mon Me Woman, et c'était top. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, vous pouvez la contacter, je mets toutes les coordonnées dans le descriptif de la vidéo, vous appelez Roxane, et Roxane va s'occuper de vous. Donc pour 49,90€, vous avez la possibilité de vous abonner et de vous faire coiffer autant de fois que vous voulez. Aujourd'hui, t'as envie d'avoir des traits, demain tu as envie d'avoir des crochets, enfin peu importe, une perruque, tu y vas autant de fois que tu veux pour 49,90€. Donc la fameuse perruque, en fait la perruque, je m'attendais pas à ça. En la voyant quand j'ai ouvert et tout, je me suis dit, ah ouais, quand même c'est long. En fait j'ai pris une perruque mais je pensais pas que c'était aussi long, donc je vais vous montrer. Donc c'est des jeux qui sont en synthétique, mais ils se coiffent bien, ça part, on a passé un petit coup de brosse, on a mis un peu de brillantine dessus et au final ça allait. Par contre, je m'attendais à avoir un peu plus de volume. En fait, j'ai pas l'habitude, vu qu'habituellement, soit je suis en afro ou c'est mes cheveux. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de volume. C'est rare que j'ai quelque chose d'aussi plat sur la tête. Donc, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir quand même. Donc, elle a coupé au niveau de la couture. Donc là, j'espère que vous arriverez bien à voir la séparation. Hop là. Donc, on peut voir la différence. En fait, là, j'ai mis le bonnet, donc c'est pour ça que c'est clair. Et là, il n'y a pas le bonnet, mais voilà, ça vous permet d'avoir une petite idée. Donc, je vais lâcher mes cheveux. Donc, comme je disais, je les ai attachés parce que, bah, en fait, je fais du sport. Et je voulais pas être gênée, donc j'ai attaché mes cheveux. Mais elle est longue, longue, longue. Je vous montre. Hop là. Et elle est longue, longue, longue. Je vais demander à Titi. Tu viens faire un coucou, Titi, aux abonnés? Viens. Coucou! Coucou! Donc, je vais vous montrer, j'ai demandé à Titi de me filmer tout à l'heure pour bien vous montrer la longueur des mèches. Ouais, sans les lunettes, c'est mieux. Donc, hop là, pour vous montrer un trop petit peu. Long. C'est vraiment... Ça arrive jusqu'à mes fesses, en fait. Non, encore plus bas. Encore plus bas, comme dirait Titi. Ça arrive ici. Encore plus bas que les fesses. Attends, une minute. Ici, là. Donc je vais essayer de vous... On va prendre la caméra et on va vous montrer tout ça. Du bas jusqu'en haut. Franchement, c'est pas... c'est bien. Elle est ondulée. C'est top. Voilà la longueur. Moi, la perruque, je la valide, j'aime bien. Bon, après, c'est du synthétique, donc c'est pas des cheveux naturels. Mais ça va, elle s'en mêle pas trop. La longueur, franchement, je vais pas assumer. Je pensais pas que c'était aussi long. Mais franchement, ça fait le taf, donc ça va. Genre, je sais pas, t'as une soirée, tu veux sortir et tout. T'as un date. Enfin, à la fin du confinement. Parce que là, c'est pas trop le truc. On peut pas trop sortir, mais je veux dire, à la fin du confinement, tu veux surprendre un peu ou t'as un anniversaire. Et tu veux te mettre en mode, et ben je pense qu'une perruque comme ça, ça passe. Ça choque pas. Franchement, ça passe. Voilà, c'est tout. Ben, en tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à mettre un petit commentaire, genre waouh, ouais, c'est trop stylé, c'est quoi le lien de ton fournisseur, j'aime trop ta perruque, essaye telle coiffure. Voilà, enfin, si vous avez d'autres idées, vous me dites. Bon, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker cette vidéo, t'abonner à notre chaîne, à nos réseaux sociaux, Facebook. Tu peux aussi nous suivre sur Snapchat, sur Instagram. En tout cas, je te fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos coiffure, haul. Et puis, on sait jamais. Sport aussi. Ah, je ne vous ai pas raconté.
Bon, c'est juste à la fin, mais je me suis remise au sport et je suis archi motivée. J'espère que je vais pouvoir tenir parce que là on est confiné, donc autant vous dire que c'est une galère de ouf. Parce qu'en fait, des fois je m'ennuie, ou je sais pas, quand je suis stressée par rapport au taf, parce que je suis télétravail, quand je suis stressée, je grignote, et donc c'est un peu difficile. Mais sinon, je suis archi fière de moi. C'était juste la petite parenthèse, parce que je suis passée de 76 kilos, autant vous dire que j'étais un. Voilà. Et là aujourd'hui je suis à... Comment vous dire que ben, je suis trop happy et je suis trop fière de moi. J'ai pas envie de m'arrêter là. Après je suis peut-être trop ambitieuse, mais je me dis que j'ai envie d'en perdre encore un petit peu. Donc voilà, en tout cas j'essaie de motiver, de faire du sport même à la maison, malgré le fait que la salle soit fermée. Mais bon, si ça vous intéresse de savoir bah, comment j'ai perdu du poids, qu'est-ce qui m'a motivée, tout ça, si vous voulez avoir 2-3 conseils, eh ben, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et je vous ferai une vidéo sur ce sujet. Bon, cette fois-ci, je vous abandonne pour de vrai. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.